ヘリオス、こちらハイペリオン、状況を報告せよ。報告します。敵へは確認できません。任務危険度 A 級、確認を求めます。任務続行。了解しました。安全装置解除、ハッチを開きます。こちらヘリオス、巡航軌道に入ります。エアロック、減圧完了、油圧正常、観察班確認完了。出撃スタンバイ。バルキリー、降下開始まで10、9。Waouh, alors du coup ça c'est ce que j'appelle vraiment une introduction du tonnerre, c'est super beau, c'est coloré, c'est musclé, ça donne vachement envie. Salut à tous, c'est Cézéland, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Let's Try, on va tester Honkai Impact, troisième du nom. À ne pas confondre avec Opai Impact, qui n'a absolument rien à voir. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, Honkai Impact, c'est un espèce de action RPG qui va cumuler des éléments de beat'em up, donc on va taper sur les trucs à plus savoir quoi en faire. Il y a aussi des éléments de gestion, des éléments de dating simulator, enfin c'est un combo vraiment très étrange. Alors c'est produit par une boîte chinoise qui s'appelle MiYoYo, mais qui a également fait appel à des sociétés japonaises et coréennes pour produire l'animation et la musique. Et le résultat est vraiment un petit peu surprenant, c'est vraiment très qualitatif, ça explose dans tous les sens, et le jeu il a fait vraiment un carton dans ses pays d'origine, hein. Le succès il est phénoménal, là-bas ça se compte en 35 millions, 40 millions de téléchargements, puisqu'effectivement il s'agit en fait d'un jeu mobile, mais aujourd'hui on va jouer au PC et à la manette. J'ai réussi à configurer ma manette parce que c'est comme ça qu'il faut jouer au beat'em up, je suis désolé les gars, y'a pas d'autre solution. Donc voilà, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Alors du coup, on nous introduit la présence de Ai-chan qui va nous servir un petit peu de tutoriel, donc comme son nom l'indique c'est une intelligence artificielle, et c'est elle qui va nous apprendre un petit peu comment fonctionnent les mécaniques de base du jeu. Alors je vous rassure, il n'y a rien de super compliqué, vous allez voir, par exemple là on se déplace avec le petit joystick, donc en l'occurrence ça va être mon joystick analogique. Le jeu se présente sous la forme de missions très très courtes, du moins en fait les missions principales du jeu, c'est-à-dire l'histoire. Là, je peux déplacer ma petite caméra aussi si j'ai envie. Donc des missions très très courtes avec des objectifs principaux et des objectifs secondaires. Donc là, il faut juste se déplacer vers là-bas, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et évidemment, vu que c'est un beat'em up, on va se retrouver à bastonner plein d'ennemis. Donc là, on nous montre qu'on a une barre de points de vie. Et on dispose également d'un petit bouton d'attaque. Logique. Alors du coup, vu qu'il s'agit d'un RPG de type japonais, alors action RPG de type asiatique plutôt pour le coup, lorsque vous faites des dégâts, ce seront des dégâts chiffrés. Il y a des petits chiffres qui apparaissent. Donc le but du jeu évidemment, ça va être de monter vos stats avec des équipements et des armes, et des améliorations pour faire un maximum de dégâts. Et du coup, quand on tue des ennemis, on récupère des petits objets, de l'argent, et puis des composants, enfin plein de trucs. Alors il y a un autre concept qui est vraiment très intéressant dans Honkai Impact, c'est l'esquive. Vous avez un petit bouton d'esquive qui est juste en bas. Et lorsque vous réussissez en fait une esquive au moment pile où le coup aurait dû vous toucher, vous allez faire ce qu'on appelle une time fracture. Donc c'est une espèce de fracture temporelle. Où en gros le temps autour de vous va ralentir, voire même se figer. Vous allez pouvoir bastonner les ennemis pendant que eux ils n'ont pas le temps de réagir. Alors, côté histoire et background, comment ça se passe? Ben pour l'instant c'est un peu difficile de trouver des informations parce que côté localisation on n'y est pas encore, mais d'après ce que j'ai compris en fait, les bestioles que vous voyez en fait, c'est un petit peu le système de défense, le système immunitaire de la planète qui réagit par rapport à l'avancée technologique de l'humanité, qui voit en fait par rapport à la pollution et à la conception des armes de guerre que l'humanité a atteint un point où elle peut mener le monde à sa fin, à sa perte. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit et elle essaye de balayer l'humanité de sa surface. Donc nous, en fait, on joue des espèces de personnages qui sont capables de manipuler l'énergie de la planète, donc l'énergie Honkai, au travers de pouvoirs un peu spéciaux, et du coup ça donne des Valkyries, des jeunes filles qui sont capables de manipuler donc, cette énergie et de se défendre en fait contre les éruptions Honkai.
Alors on verra tout ça aux prochains épisodes, on développera, je vous le promets, on fera un stop là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, effectivement, le jeu, il manque pas de lore, hein. Il y avait deux jeux précédents juste avant, et puis il y a aussi, sur leur site officiel, un manga que vous allez pouvoir suivre, donc un manga vraiment super bien foutu d'ailleurs, qui est vraiment très très joli. Donc voilà, c'est un truc sur lequel on s'attardera un petit peu plus tard. Alors là, on vient de recevoir un stigmate. Mais qu'est-ce que c'est les stigmates, vous allez me demander? Alors, Aichan est en train de nous l'expliquer, mais je vais vous faire une version un petit peu plus synthétisée. En gros, dans ce jeu, vous n'avez pas d'armure à équiper, à la place, ça va être des stigmates. Donc en fait, les stigmates, ça représente, en fait, il me semble, des personnages des anciens jeux. C'est un petit peu l'esprit des personnages des anciens jeux qui vont nous donner des statistiques passives. Donc vous avez en fait la possibilité d'aller équiper ça dans le menu des équipements. Donc vous voyez, juste là, il y a un emplacement réservé à tout ce qui est stigmates, et vous avez droit, en fait, à un set de 3 stigmates. Donc il y a un stigmate en fait pour la tête, pour le corps, et puis pour le bas du corps, il me semble. Et en fonction de ce que vous équipez, il y a des statistiques différentes, vous pouvez d'ailleurs leveler ces stigmates, et lorsque vous équipez des stigmates du même type, si vous en équipez par exemple 2 ou 3, vous allez développer des bonus de 7. Donc ça devient intéressant de collecter en fait les mêmes sets pour votre personnage. Donc vous voyez là en fait, là on l'a équipé, elle a un petit tatouage dans le dos, c'est le signe en fait que le stigmate il est actif. Du coup, on va poursuivre les missions principales. Donc au début du jeu, lorsque vous êtes en phase tutoriel, vous n'avez pas beaucoup le choix en fait d'aller là où vous voulez, vous êtes obligé de faire un petit peu l'histoire principale. Mais en fait, il y a énormément de modes de jeu. J'ai jamais vu ça dans un jeu mobile, c'est d'ailleurs vraiment très surprenant. Tous les types de jeux que vous allez pouvoir faire. On verra d'ailleurs ça au prochain épisode. Kiana, 状況を報告しなさい. 目標の戦艦に到着したよ。姫工場さん、次はどうしたらいい？真面目に聞きなさい。2時間前、正体不明の戦艦が青海市上空に突如出現したわ。戦艦の制御ネットワークにアクセスを試みたけど、ファイアウォールに阻まれて突破できなかった。そこで、あんたの任務は環境に向かい、中央コンピューターに直接。簡単そうな任務だね。 環境の位置を送ってよ。環境は戦艦の中央よ。戦艦の入り口は封鎖されているから注意しなさい。Bさん。了解。でもちょっと遅くなっちゃうかもね。お出迎えが来てるみたい。ゾンビと崩壊獣？強くはないけど甘く見ないことね。OK。 Ok, donc du coup on a un petit peu une idée de ce qu'on doit faire par ici. Alors Aichan va nous montrer qu'on a en fait accès à une technique spéciale lorsque notre barre de SP juste en dessous elle est pleine. Donc c'est un peu l'ultime et chaque personnage dispose de son propre ultime. Vous allez voir, c'est super jouissif d'utiliser ce truc là. En l'occurrence, pour Kiana en fait, elle a utilisé ces espèces d'énormes pattes de chat pour bastonner tout ce qui se trouve là. C'est vraiment super sympa. Alors on a vu du coup les personnages juste avant, il y avait notre patron donc Himeko. Et pour les gros fans d'anime, je pense que vous avez reconnu des voix qui sont, enfin des seiyuu, des voice actors qui sont super populaires dans le milieu. Hein, y a Rie Kugimiya, Miyuki Sawashiro, enfin il y a vraiment du gratin, de la grosse qualité de voice acting. C'est vraiment très très surprenant pour un jeu mobile. Et on a gagné un niveau. Alors oui, nous en tant que capitaine, on a aussi en fait un niveau. C'est-à-dire que les personnages, ils ont effectivement donc très logiquement des niveaux où ils vont pouvoir apprendre leurs compétences et puis monter leurs stats, mais vous aussi vous avez un niveau. Et le niveau maximum de vos personnages, il va dépendre du vôtre. Alors c'est pas tout, votre niveau maximum, il va également avoir une influence sur le contenu que vous allez pouvoir faire. Il y a par exemple des fonctionnalités de gestion de base avec des bâtiments à gérer et puis des petites missions que vous pouvez faire en parallèle. Ça en fait c'est des choses que vous allez débloquer au fur et à mesure lorsque vous allez monter de niveau. Il y a pas mal de fonctionnalités aussi un petit peu en plus comme ça qui sont liées à votre level, des trucs vraiment super trop cool. Genre par exemple il y a du housing. Alors me demandez pas pourquoi il y a du housing dans ce jeu là, mais il y a du housing, donc vous pouvez avoir votre propre maison. Vous la décorez comme vous voulez, et puis vous pouvez voir en fait des personnages qui évoluent dans l'appartement, enfin c'est absolument génial. Du coup là on a récupéré du matériel pour améliorer les armes. Alors, non seulement les personnages ils ont accès à différents types d'armes en fonction de leur classe, mais vous allez également pouvoir améliorer ces armes.
Alors, il y a deux types d'améliorations, si je ne m'abuse. Il y en a un où vous allez pouvoir monter en fait simplement le niveau de l'arme, c'est-à-dire qu'en fait en gros ça va monter les statistiques telles que l'attaque et le critique. Et vous avez également une upgrade, mais ça on verra un petit peu plus tard. Donc là on a les composants pour juste monter le niveau, donc c'est ce qu'on va faire. Là en plus il y a tous les composants qui sont déjà prêts, donc il n'y a rien d'autre à faire qu'à cliquer sur l'amélioration. Et nos flingues y sont montées de niveau 5, donc on a gagné un petit peu d'attaque par rapport à avant, et puis voilà, c'est pas non plus la folie, mais c'est toujours ça de gagner quoi. Du coup on va continuer le mode histoire, du coup on a de toute façon pas trop le choix, on est obligé de faire ça pour l'instant. Alors lorsque vous sélectionnez une mission, vous allez le voir, en fait, vous pouvez voir en fait les objectifs qui sont associés à la mission, donc ces objectifs secondaires, là par exemple il faut que dans l'équipe on ait une fois Kiana, il faut aussi qu'on se prenne moins de 30 coups et qu'il n'y ait pas plus d'une mort dans notre équipe. Et alors lorsque vous sélectionnez une mission, vous allez également pouvoir emprunter un personnage à un autre joueur. En règle générale, ce sont vos amis, mais si vous n'avez pas d'amis, comme moi par exemple, vu que je suis un asocial, eh bien vous pouvez prendre quelqu'un au pif qui vous est proposé. Kiana, nanika ijou wa mitsukatta? Nani mo ijou wa nakatta yo. Shite ieba... この任務が異常に簡単すぎたことかな。私みたいに優秀なバルキリーはもっと難しい任務を何が優秀よ。半年前までは候補生だった B 級バルキリーのくせに。でもそれだけ自信があるってことは支援は不要ってことね。なんだ、当然でしょ。よし、それじゃあメイを帰還させるわよ。え、ちょっと。私弾薬が足りないみたいだからメイ先輩の支援はお願いするね。あら、おかしいわね。こっちにはあんたの弾薬残量が十分と表示されてるけど。20秒前までは結構あったの。あんたね、一体何をやらかしたのよ。少佐、あまりからかわない方が。キアナちゃん、戦艦の甲板に着いたよ。 B3 前で合流しよう。来た来た、メイ先輩がいれば力がみなぎってくる。変態みたいな顔してるわよ。メイ、しっかり面倒を見てやって。はい、少佐。Alors tout à l'heure je rigolais quand je disais Opa Impact, mais en fait en vérité vous allez voir que Kiana elle est un peu spéciale dans le genre assez perverse, hein. Bon c'est un peu, c'est voilà, c'est des trucs asiatiques, hein, cherchez pas trop. Alors du coup, au niveau des personnages, parce que je pense que vous l'avez vu, du coup il y a pas mal de personnages, en fait pour l'instant il y a 6 ou 7 personnages jouables, je ne sais plus exactement, et il y en a au moins 2 de plus qui sont disponibles en Asie. Alors, le jeu, plutôt que de proposer et de mettre une trentaine de personnages, et après on sait plus trop où on se retrouve en fait dans l'histoire, et ben là en fait, il propose de jouer les mêmes personnages mais avec des classes différentes. Vous allez pouvoir débloquer par exemple Kiana en mode Gunslinger, donc qui, au lieu d'utiliser les poings et les trucs avec les pattes de chat, qui va utiliser pratiquement que les flingues. Vous avez aussi une autre version qui va utiliser plutôt des pouvoirs psychiques, enfin voilà. D'ailleurs à l'écran de chargement ça se voit, enfin il vous le montre très brièvement, il y a une petite roue avec les différents types qui sont associés non seulement au personnage mais aussi au monstre. Donc en fait vous avez le type principal qui est le type biologique, donc les créatures, vous avez aussi le type de mecha, donc c'est plutôt les robots, et vous avez également le type psychique qui lui va utiliser des pouvoirs un petit peu ésotériques, un peu bizarres. Et chaque type a un avantage sur un autre. Donc en fait, lorsque vous faites votre équipe, parce que vous pouvez avoir plusieurs Valkyries en même temps, donc plusieurs personnages que vous allez pouvoir switcher entre eux à n'importe quel moment et faire des combos, c'est important d'avoir un type de chaque. Que vous soyez un petit peu paré à chaque situation, chaque éventualité, parce que des fois vous allez tomber sur des boss qui sont vraiment ultra costauds, et même si votre personnage principal il est super balèze, s'il n'a pas le bon type, vous n'allez pas faire des super dégâts dessus. Donc voilà, il y a un petit peu de la gestion d'équipe, c'est un peu rigolo. Là du coup maintenant, Aichan veut absolument qu'on monte encore de niveau nos flingues, donc on va lui faire plaisir, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas trop le choix. Alors je vous rassure, le tutoriel il est bientôt fini, et dans les prochains épisodes, il n'y aura pas de tutoriel. Dans l'épisode 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'attaquera directement au type de gameplay. On verra un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut explorer dans ce jeu-là, hein, les différents modes de jeu.
Et dans l'épisode 3, on parlera de trucs un petit peu plus... Un petit peu plus cool, un peu plus détente. On parlera par exemple de l'histoire, et puis on verra aussi du coup le verdict, si le jeu il vaut vraiment le coup d'être téléchargé ou pas. Pour l'heure, on peut enfin continuer notre histoire principale, avec toujours nos objectifs secondaires qui, pour le coup, sont relativement simples. On peut toujours emprunter un joueur, enfin un personnage à un joueur. Et on bastonne. Alors du coup là j'ai appuyé un peu trop vite, je pense que c'était un tutoriel du coup pour nous expliquer comment on fait pour détruire la garde des ennemis. Donc vous voyez en fait sous les points de vie, l'ennemi il a une barre de garde, en fait c'est un espèce de bouclier si vous voulez. Bah, il y a certaines compétences qui sont un peu plus violentes et qui sont vraiment designées pour détruire cette garde. Donc là c'est le coup avec la patte de chat juste là. Ça fait vraiment mal à la garde, c'est fait exprès. Hein. Vous avez des personnages d'ailleurs, des classes de personnages qui sont vraiment designées pour gérer les compétences de garde. Là en l'occurrence Kana c'est un personnage de base qui est vraiment très équilibré, qui a un petit peu des statistiques pour tout. Vous pouvez faire des trucs aériens, vous pouvez faire des AOE, du mono, il y a aussi la destruction de garde, enfin voilà, elle est super équilibrée pour le coup. Hein. C'est un bon personnage pour démarrer, c'est pas une surprise qu'il vous l'ait mis en premier personnage. Elle récupère nos récompenses. On a reçu un nouveau stigma. Et on peut directement poursuivre avec la suite de l'aventure. Vous voyez, les conditions, les objectifs, ils changent chaque fois. Hein. Allez, on bastonne. Donc côté fluidité du gameplay, comment ça se passe? Je dirais que là du coup en fait c'est vraiment très très agréable à jouer, hein. C'est fun, c'est simple, y a pas grand chose à savoir. En fonction de comment vous appuyez sur les boutons, si vous faites des pressions longues ou des pressions courtes, enfin c'est plutôt on va dire un moment où vous appuyez, quand vous relâchez les boutons au niveau des combos, vous allez faire des techniques qui sont différentes, vous voyez mes coups ils sont jamais les mêmes. Hein. Bon par contre du coup c'est le début du jeu là, les ennemis on les explose mais façon ils ont vraiment pas le temps de réagir quoi. Je vous rassure par la suite c'est plus la même. Hein. Les ennemis sont de plus en plus compliqués si vous gérez pas vos équipements et vos teams correctement. C'est plutôt vous qui vous faites un petit peu bastonner. Les scènes cinématiques sont vraiment très très jolies. Hein. Donc du coup le jeu va parfois vous gratifier de ces superbes cutscenes qui sont vraiment géniales. Il y en a un paquet en plus, il y en a qui sont vraiment, mais alors à couper le souffle, hein. Moi j'ai vu des trucs, j'étais vraiment sur le cul. Par contre du coup, vraiment le gros défaut de ce jeu, on va dire, à cause de tout ça, parce qu'il est super beau et il est super garni, il prend énormément de place pour un jeu mobile. Hein. Moi je crois que je suis à presque 2 Go de téléchargé, c'est vraiment énormissime. Hein. Voilà, c'est un peu à vous de peser le pour le contre si vous voulez, si vous êtes prêt à gaspiller plein d'espace sur votre téléphone ou votre tablette. Du coup là le jeu va nous montrer comment on fait pour débloquer les Valkyries. Alors c'est pas le seul et unique moyen que vous avez, mais en fait vous pouvez dépenser des cristaux pour acheter des caisses d'équipement, des caisses de supply, ce qu'ils appellent, et parfois dedans vous allez avoir des Valkyries qui sont prêtes à l'emploi tout de suite. Donc là pour l'histoire, bah, c'est normal, on va nous débloquer la prochaine qui est Crimson Impulse, donc en fait c'était Mei qu'on a vu tout à l'heure. Kai-chan qui dit, c'est bizarre, il y avait Mei dans la boîte. Effectivement, c'est un peu bizarre de trouver des gens dans des boîtes. Ok, du coup, on va pouvoir aller voir comment ça se passe avec les nouvelles Valkyries lorsque vous en débloquez une toute nouvelle. Donc elle apparaît dans la liste des personnages que vous avez débloqués. Et il y a un système qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que plutôt que d'aller faire du level up manuel comme on l'a fait avec le premier personnage, vous pouvez débloquer en fait des petits composants au fur et à mesure de vos missions, qui vous permet en fait de mettre de l'XP directement dans la Valkyrie. Comme ça, elle est tout de suite prête à l'emploi, vous pouvez directement jouer avec, la mettre dans votre équipe. Plutôt sympa ça, hein.
On va récupérer nos petites récompenses. Et on va partir avec la suite de la mission. On est juste là. Donc cette fois-ci, vu qu'on a une Valkyrie en plus, on peut la mettre dans notre équipe. Donc Mei qui est juste là. Par contre, du coup, ce que je vais faire, parce que je peux le faire d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer toujours les mêmes personnages. Alors vous pouvez switcher à n'importe quel moment durant le combat, mais là je voudrais avoir Mei en fait en personnage principal. Parce que j'aime bien Mei. C'est con comme raison, mais voilà, effectivement j'aime bien Mei. Je trouve qu'elle est sympa. ここはどこ?私は誰?どうしてここ?キアラ、何ぼーっとしてるの?テストが始まってから30秒も経ってるのよ。え?おバカにもほどがあるわ。バルキリー資格試験に決まってるでしょ?資格試験?半年前に受けなかったっけ?何をバカなこと言ってるの?あんたはまだ候補生でしょ? 早く模擬法怪獣を倒さないと不合格になるわよ。 Bon, et du coup, là, pour une raison complètement obscure, on se retrouve dans un rêve où on sait pas trop pourquoi, il faut repasser le test d'entrée des Valkyries. Parce que voilà. Le jeu, en fait, le jeu, il a envie de tirer un petit peu sur sa phase du tutoriel, donc du coup, il nous renvoie carrément dans le passé. Bon. C'est un choix intéressant, mais voilà. Du coup, on va pouvoir voir un petit peu le gameplay avec Mei. On va utiliser son ultime tout de suite, comme ça, vous allez pouvoir le voir aussi. Boum! Le truc qui fait bien mal, hein. Donc évidemment, chaque classe et chaque personnage a toujours une variation complètement différente de son ultime. Il n'y a aucun ultime qui est pareil. De toutes les classes que j'ai jouées pour l'instant, il n'y a absolument aucun ultime qui est similaire l'un à l'autre. Du coup, c'est vraiment très sympathique, ça, pour le coup. Il y a de la variation au niveau du gameplay, notamment bah, dans la façon dont chaque personnage se joue, mais aussi dans les équipes que vous allez pouvoir faire. Pour le coup, là, vraiment, je salue le jeu pour avoir fait ça. Hein. C'est vraiment très intéressant, ça. Ok, alors, en plus de toutes les choses que vous allez pouvoir débloquer et obtenir lorsque vous jouez normalement au jeu, vous avez également une liste d'achievements. Alors, je sais pas comment on dit en français, je pense que ça va être des succès. En gros, c'est des petits tours de force que vous allez pouvoir réaliser et qui vont vous donner des petites récompenses en plus, donc c'est vraiment très sympathique. Tiens, tant que je suis là, du coup, on va regarder vite fait ça. Lorsque vous êtes dans le menu principal de votre personnage, enfin de votre compte, vous allez également pouvoir revoir toutes les scènes cinématiques. Et comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus que 8, j'ai pas tout vous montrer parce qu'en fait, il y a une sacrée liste. Et puis voilà, c'est vraiment très sympathique tout ça. Bon, et ben je pense que du coup on en a vu assez pour ce premier épisode. On a une idée assez globale et représentative de ce que le jeu bah, il nous apporte, hein, donc vraiment l'idée générale du projet. Ce qu'on va faire au prochain épisode, c'est qu'on va s'attaquer directement au mode de jeu, donc au type de gameplay que le jeu est en mesure de nous proposer, et vous allez voir en fait qu'il y a pas mal de choses à dire. Mine de rien, il y a un peu de contenu pour tout le monde, il y a carrément de l'open world des fois, il y a des mini-jeux, il y a de la coopération, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, c'est super intéressant. Du coup, on se retrouve très très bientôt au prochain épisode. Je vous dis à la prochaine, c'était Zélande, et puis d'ici là, portez-vous bien.